Salut tout le monde, c'est Darkbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais tester une map Minecraft s'appelant Sans Nom. Oui, c'est la traduction originale du nom de la map. Bon, du coup, j'ai pas voulu me spoil sur le contenu de la map, donc je sais pas en quoi elle consiste. Mais on verra, peut-être qu'elle sera bien, peut-être qu'on s'amusera. Du coup, on va rejoindre la map que voici. On clique dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? Rules and setup. Instructions son. Peut-être qu'il y a du son. Non, on n'entend rien. Musique et son. Il y a rien, franchement. Vraiment. Il y a pas de musique. Il y a rien, ok. Sounds 70%, 100%. Max 12 chunk. Render distance. Clouds on. All particles on. If you like the map, please recommend and shout out. Enjoy. Pourquoi il nous a mis ça? D'ailleurs, c'est où pour démarrer? Ah, start. Bon, bah, start. Minecraft map, ouais. By Glowing Tree. D'accord. Pourquoi on est dans le noir? Et il y a un bruit d'Under Dragon, d'ailleurs. Mais pourquoi on est dans le noir? Qu'est-ce qu'on fout dans le noir? Ouais. D'accord. Putain, mais... On peut se... Non, on peut pas se battre. Mais... Pourquoi il n'y a pas les murs? Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi il n'y a pas les murs sur la map? Il n'y a pas les murs, enfin il y a des murs en barrière invisible pour s'empêcher de tomber. Mais à part ça, ils se sont pas fait chier, les gars. Ils se sont pas fait chier. Bon, merde, on va. Quoi, on n'a pas besoin de sauter? Hein? On n'a pas. Mais c'est quoi cette map? Mais qu'est. Mais c'est complètement con! On peut pas tomber! Mais pourquoi il y a ça? Mais c'est pas un jump? On n'est pas censé faire un jump. Mais les gars, vous voyez ce que je vois? C'est censé être un jump. Et je marche tranquille. Juste à sauter là. Et j'arrive là. Aïe. La suite de la vidéo, le texte sera en anglais. Donc j'essaye de traduire en français via les sous-titres YouTube. Donc vous aussi, si vous voulez les traduire avec les sous-titres YouTube, je mets un lien en commentaire et en description pour que vous m'aidiez. Et du coup, sinon, activez vos sous-titres français pour ceux qui veulent comprendre le texte anglais qu'il y a dans le chat. Et du coup, ce que je dis aussi. Même si moi, je comprenais pas au moment où je le lisais. Voilà, on peut reprendre du coup. Who dares wake me from my slumber? Ça doit être sommeil. Là, je sais pas dares ce que ça veut dire. Créateur, ok, hold on Zeus. Who are you and why are you in my map? Mais pourquoi il me dit ça? Ne mens pas! Je n'ai pas dit que la map était prête. J'ai dit que ça serait prêt par... Oh, ok. Yes, you can take five. Ok. And you? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils parlent entre eux, les créateurs? En plus... J'appuie sur tab, y a personne... Y'a personne là-haut. Ils sont dans la console ou quoi? Are you sure you want to play my map? That I definitely built? Bah, je sais pas, moi j'hésite. Franchement, je sais pas vous, moi j'hésiterais. Déjà, le mec il nous dit, pourquoi t'es dans ma map? Pourquoi? Parce que ta map est disponible, peut-être? Bon, ok, on va faire yes. Bon, de toute façon, foutu pour foutu, autant la faire, même si elle est peut-être incomplète, là. Y a même plus les murs, y a les murs nulle part. Putain. Bon, bref. Mais là, mais c'est pire. On peut aller nulle part. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Y a un escalier secret, c'est ça? Attendez. Oh, vraiment? Attends. Ils ont même mis les messages de téléportation. Mais les gars, abusez pas. Oh, vraiment? Well, let me see. There was a time when the gods ruled over everybody. Putain, j'aurais dû mieux réviser mon anglais avant de regarder, avant de d'aller sur cette map. Parce qu'en plus, il donne des consignes pour sa map et puis je comprends rien. C'est un peu embêtant de comprendre. J'ai changé mon esprit. Égypte est mieux. Putain, déjà, il sait même pas ce qu'il veut. Il nous envoie déjà sur comment ça s'appelle, un petit lobby. Un lobby vide, ouais, symétrique vide, où il n'y avait aucun moyen de sortir, et puis là il nous envoie ici. Qu'est-ce qu'on peut faire là? C'est un levier, non? C'est pas un levier, c'est pas un find the button. Non, il n'y a pas besoin de trouver de bouton ici. Non, ok. Bah peut-être qu'il faut juste continuer, ouais, il faut juste continuer. Il y a...
Au moins, on manque rien dans la map, j'espère. Si on manque des trucs, ça serait con, quoi. Non, c'est bon, on n'a rien manqué. Voilà, on continue par là. Ok. Allons voir si vous pouvez faire ce puzzle. Quel puzzle? Attends. Ah, attends 2 secondes. Waouh! Ça active, désactive. Non, non, ok, ça le remet. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Attends 2 secondes. Mais qu'est-ce. Mais il faut mettre quelle laine? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça donne ça? Ça fait des actions où? What? Mais il sert à quoi ce piston? Attendez, il active un autre piston. Ah non, il pousse. Il prend ce bloc et il le pousse, ok. Mais à part ça, qu'est-ce que je dois reproduire comme schéma? C'est marqué nulle part, le schéma à faire. Ça active quel piston là? Ça active celui du bas. Ok, celui-là. Ouais. Un autre piston, lui. Il n'y a pas un observeur, non, c'est un piston normal. Ça, c'est aussi un piston. Mais putain, mais. Qu'est-ce qu'ils ont avec les boutons? Bon, on active tous les boutons parce que je sais pas à quoi ils servent. Donc, autant les activer, voilà. Mais franchement. Voilà. Ça sert à quoi ce truc? On est bloqué là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Franchement, les gars. Ah, il faut essayer de monter là-haut, peut-être. Mais comment ça se fait si dès que j'appuie sur un piston, il se pousse, il se rétracte. Ah. Mais non, j'ai déjà appuyé sur tous les pistons. Ça peut pas être un piston qui va bouger un autre bloc maintenant. Si. Attendez. Non, c'est pas un piston, ça. Si, c'est un piston. C'est quel piston? C'est quel piston? C'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui non plus. C'est pas lui. Attendez, voilà. C'est pas lui. C'est pas lui. Enfin, peut-être pas. Je sais pas. Vraiment aucune idée. Aucune idée de ce que c'est. En plus, on n'a pas d'indication. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Il y avait un moment, etc. Ouais, bon, il a parlé d'une histoire. Ok, Gris, Worship. Bon, bah, je vois pas tellement d'indices. Faire le puzzle. Je suis en game mode 2, frère. Qu'est-ce que je peux faire en game mode 2? Je peux rien faire en game mode 2. On n'a aucun moyen de résoudre ton truc. C'est complètement stupide. Ah! Ah! Attendez. Il y a des choses qui ont changé. Peut-être qu'on peut sauter là. Tac, tac. Mince. Je sais pas gérer les jumps. Est-ce qu'on peut. Ah! Oh yes! Là. On est là. Et on monte! Yes! Bon, bah, je sais pas du tout comment je l'ai fait pour le régler, j'ai appuyé au pif sur les boutons de piston, mais bon. Ah! Putain, qu'est-ce que je fous? Le principal, c'est que ça soit réglé. Le mec, là, genre, je me prends une flèche et je reviens en arrière pour m'en reprendre une. Ok, alors un levier, ça ouvre une porte, et ça. Attends! Pourquoi t'as appuyé sur le bouton ici à nouveau? Bah, je sais pas, c'est la première fois que j'ai appuyé. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, ok. On avance. Et tout se ferme derrière moi. Putain, tout se ferme derrière moi. Attends, tu peux prendre le trésor facilement. Pour le prendre, tu devras faire un parcours. Ce n'est pas une map aventure, c'est un parcours. Allez, c'est parti. Ouais, bon, ok. Mais oh putain. Attends. Ah, oui, il m'a fait tomber, donc là, je dois remonter pour faire le parcours, c'est ça? Parce que là, de toute façon, c'est bloqué. Ok. Eh bien, ton parcours, je te le fais. Merde, j'allais dire sans souci. Mais bon, c'est un peu con vu de moi. Merde,
J'ai pas fait gaffe au bloc du haut. Voilà. Me connaissant, juste pour ces blocs-là, je vais galérer à les passer. Juste ces trois blocs-là. Je vais tourner en rond, je sais pas combien de temps. Je vais tourner en rond alors que déjà la première fois, j'ai réussi à passer le deuxième quand même. 12 seconds later. Allez, c'est parti. Là, on va y arriver. Voilà. Voilà, on monte ici. Oh merde. Mais non, attendez. Je dois aller où déjà? Où est-ce que je... Ah merde, je dois aller là-bas. Oh! Non, attends, mais dis pas que... Non, mais pas ça! Oh putain, pas un jump de cette taille. Oh! Attendez, mais le plafond... Non, le plafond est toujours là. Pourtant, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Est-ce qu'il y a... Ah, mais il y a moyen d'y aller par... Ah non, en fait. Et à chaque fois qu'on monte sur le bloc, on a l'effet. Ok, alors cette fois-ci, du coup, je me suis posté sur ce bloc qui donne, je crois, la nausée, ou alors c'est celui-là. Et j'ai attendu de plus avoir l'effet. Comme ça, je vais pouvoir essayer de ressauter là-dessus. C'est la deuxième tentative que j'ai de ce type, sinon j'ai vraiment échoué beaucoup de fois avant. Donc, il va falloir que je retente une bonne vingtaine de fois. 2 hours later. Ok, alors on va pouvoir retenter l'expérience et... On a bien un mur avant, on est d'accord. On a un mur avant, c'est obligatoire. C'est obligatoire, il y a un mur avant. Donc, bon, on peut pas passer de ce côté. Et est-ce qu'on peut passer à partir de celui-là? Parce que... Il y a aussi un mur, donc c'est peut-être par rapport à la hauteur. Donc on peut pas partir des deux. Et du coup, il nous reste trois blocs à tester. Mais ça doit être forcément à partir de celui-là. Mais maintenant, il faut voir si on peut passer à partir de celui-là ou de celui-là. Putain, mais vous voyez ce que je vois, les gars? Mais non! Mais quel enculé! Mais quel enculé! Mais quel salaud! Mais non! Mais on peut pas me faire ça! Mais les gars, c'est une atteinte à moi! C'est une atteinte! C'est une atteinte! Il y avait un levier derrière depuis le début! Depuis le début, les gars! Putain, je l'avais pas vu! Je l'avais même pas vu. Putain. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On a un labyrinthe cette fois-ci. C'est scandaleux cette merde. Bon, ce leur labyrinthe, il faut longer un mur pour finir un labyrinthe. Je sais pas si je vous ai déjà donné ce conseil. Longez le mur droite ou gauche. Vous ne le quittez pas des yeux, vous le longez. Et vous finiriez par arriver à la fin du labyrinthe forcément. On peut pas récup, ok. Alors, oh. Ça c'est un vrai jump ou... Je vais faire gaffe au vrai et au faux jump parce que là, enfin, ça se trouve c'est juste moi qui ai pas vu et c'était pas prévu ça. Je pense quand même que c'est le seul élément qu'on voit de base, l'étoile qui flotte. Donc je pense vraiment que c'était prévu pour eux pour faire exprès, faire croire. Putain, et là ils te mettent n'importe quoi, ils te mettent quoi? Ils te mettent quoi? Mais c'est quoi cette merde? Il y a aucun bruit. Dès qu'on les active, juste le bruit d'activation du bouton. Mais à part ça, il n'y a pas de bruit derrière. Aucun bruit. Aucun. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Ça va changer des éléments sans aucun bruit, c'est ça? Oh. Oh. Ok, ouais. Et qu'est-ce qu'il nous faut là, du coup? 1, 2, 3. Red, yellow. Bah écoute, Ah! Ah, je crois que j'ai, il me semble. Du coup, le 1. On a les couleurs. Donc le 1, celui... Ça doit être lui. Qui doit être bon, il doit être transparent. Je sais pas quelle couleur c'est. Là, c'est. Attendez, mais c'est la même couleur partout. C'est la même couleur partout. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre? Je vais mettre orange au milieu. Ça se trouve, faut mettre la même couleur. Voilà, orange. Et ça ne débloque rien. Il y a rien derrière. Il y a pas de. Il nous a pas troll. Non, il n'y a pas de bloc invisible. Je fais gaffe à tous les blocs maintenant. Mais cette carte, ça doit être ça qu'on doit récupérer. Pourquoi il y a cet item par terre? On m'explique! Et là. Ah oui, on est derrière. Ok, on est derrière le cristal. Pas le cristal, je suis sûr, il y en a plein en fait. Il y en a la masse, ça se voit. Putain, vous êtes pas sérieux. Oh, j'ai réussi à récupérer! Il fallait faire quoi? Il fallait juste regarder le cristal?
C'est ça? N'oublie pas. Yellow, pink, green. Ok. Jaune, orange, vert. C'est parti. Now where did I put that do not forget list? Est-ce qu'il a dit qu'il fallait pas oublier la liste? Bah, non. Il l'a pas mis. Donc, jaune, orange, non, jaune, rose et vert. Jaune, 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 rose, rose et vert qui est juste là. Ah, on a un passage qui est ouvert. Ok. Oh, on arrive sur le... Ah, on arrive là, justement, du coup. J'ai déjà fini la map? Mais t'es sérieux? Mais mec! En plus, il nous nargue. Ah, ok. Juste le premier chapitre. Beaucoup de chapitres, ok. Bon, écoute, on est avec notre mystical trésor. On va attendre que ça s'éclaire. Je vais rester longtemps à fixer ce joyau ou ça se passe comment? Attendez, il y a rien derrière? On peut s'éloigner du jeu. Ah, ok, c'est bon. Chapitre 2. Après que j'ai quitté le temple, Radiel... Non, ça doit être autre chose que quitter. Tu démarres un voyage en arrière pour trouver, pour... Attends, pour montrer le trésor mythique à mon frère, Jack. Mais quand tu vas à l'hôtel, tu trouves rapidement... que l'hôtel était fait de diamants. En fait, non. Non, on n'avait pas le budget. C'était hanté. Tellement original. Je suis tellement original. Et apte... Putain, je bug beaucoup trop avec les mots. Et après que tu aies eu un mauvais rêve, tu as trouvé que tu étais bloqué dans cet hôtel hanté. Hint, hint, sleep in the bed. Ça doit être des bruits, hint. Je sais pas. Analysons la pièce. Oh, je peux dormir. Ok, ouais, bon bah je dors. Que... Oh, mais qu'est-ce que c'était que ce truc? Je veux dire, oh, spooky. C'est pas un mec, mais je crois que ça veut dire un truc en anglais, je sais pas quoi. Come to think of it, it should make... I should make this place a little more spookier. Lightning cue, sound cue. Ça... Maintenant, essaye d'échapper à... la porte. La porte ne veut... Depuis quand une porte, ça veut pas s'ouvrir? Je veux pas me faire... Je veux pas me faire tuer, moi, les gars. Oh, putain, il y a une ouverture. Non. Non. C'est... Attendez, j'ai une porte. J'ai une porte. On s'enferme dans la salle de bain. Ils ont... Qui a ouvert... Personne n'a ouvert la porte. Ok. C'est quoi ça? Ok. Qu'est-ce que... Oh. Ok, il faut monter là. Non. Si, non. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? Les gars, avec l'ambiance, ça fait tellement... Ça fait tellement effrayant en vrai, en réalité. Faut descendre, non? Pas descendre. Le levier, il fait quoi? Ok. Est-ce qu'il y a moyen de... Merde, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Bon, on va essayer de redormir. Peut-être qu'ils vont me laisser dormir si j'arrive à aller dans le... J'ai vu les bruits, déjà. C'est peut-être une avancée. Ah, ils reviennent. Attendez. Il faut aller dans le... Non, il faut pas aller là. Là-dedans. Putain, je... Ça, c'est la douche. Ah! Peut-être que soit ça l'ouvre, soit ça la ferme. Oh! Ça m'a fait tomber un item, surtout. Est-ce que ça fait pareil? Ça enlève l'eau, maintenant! Donc, j'ai eu un item. Et là, ok, ouais, on a des seaux d'eau. Je vais m'en prendre... voilà, je vais prendre des seaux d'eau source infinie au cas où. Parce que si jamais j'en ai besoin, on sait jamais. Et ça, c'est une clé. Et c'est la clé pour là. Oui. Oui, c'est ça. Yes. C'est la clé de là. Ok. Putain, il... Non, c'est pas une édition. Ok. On a des coffres. Ok, bon. Voilà, des sticks. Livre, cobweb, pour faire un arc peut-être au cas où. Est-ce qu'on peut les poser? Non, on peut pas les poser. Putain, les gars, ça fait un petit peu, un tout petit peu peur si on s'y attend pas. Donc là, on a un papier down. Ok, bon,
Nous, on prend tout le contenu des coffres. Il y a un... Non, il n'y a pas d'autres coffres, ok. Ouais, il n'y a pas d'autres coffres ici. Putain, il me fait un peu chier quand même, le gars. C'est bon, ok. Il fait un peu chier. Genre, ça va, au début, oui, on peut être surpris un peu. Mais au bout d'un moment, ça fait un peu chier de l'avoir sur soi, quoi. Non, attendez, je l'ai pas eu à nouveau. Ok, non, c'était juste moi qui ai cru l'avoir à nouveau. Ok, bon, on vide tous les coffres. Vu que ça stack les items, bon, on est un peu mieux. Voilà, c'est parfait. Et dès que j'aurai tout pris, on sera ok. En plus, dans les coffres, on a des indices là. Donc, je pourrais tous vous les montrer après. Donc, en vrai, il fallait fouiller les coffres et tout prendre dedans. Voilà, du coup j'ai tout fouillé, donc là on est bon, on a tout vidé, donc j'ai tout dans mon inventaire, c'était rapide à stacker. On va passer à la chambre suivante. Ah ouais, c'est des numéros de chambre, 13, 14 et tout, donc on a 12, et logiquement on a, ouais on a en dessous aussi, pour faire un peu. Oh putain. Attends. Oh ils apparaissent, c'est une détection de temps en temps ou c'est juste... Putain, aïe. Ok, ça arrive de temps en temps. Bon, ok, on a juste un coffre banal. On a en indication, on va voir un peu après. Hop. Voilà, on va voir après juste là, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme indication? On va les ranger, peut-être. Donc, n'oublie pas et tout. On a toujours la clé. On a numéro 4, numéro 7. On va les placer juste là, voilà. Numéro 2, 4, 5, 6, 7. Donc, on est, voilà... Ah, 7ème, on a down, down, down. Si on fait clic droit sur un papier, ça doit être des... Ça doit être les... c'est peut-être les clés pour les portes en dessous. Parce que du coup, il n'y a rien marqué dessus, à part... c'est juste un papier, en fait. Mais il y a les numéros. Et down, ça doit être en dessous, déjà. Sachant que là, si on regarde les numéros, les portes, ça va jusqu'à 10 maximum. Donc, doit y avoir un étage en dessous, juste derrière ça, du coup. Je vais pas encore y aller, ça se trouve je vais me retrouver enfermé dès que je serai là-bas. Et j'ai pas encore fini de visiter les portes là. Donc ouais, ça doit être en dessous, l'étage en dessous. Bon, on finit de au moins de vider toutes les... Putain, il a essayé de faire des coups pour nous faire peur à tous les prix. Ok, on n'a pas moyen de... Ah non, c'est parce qu'il y a un monstre autour. Aïe. Mais attendez, il fait pas un bruit d'Enderman par hasard? C'est un bruit d'Enderman qui meurt! C'est ça, ou plusieurs Enderman même. Ok, là on a quoi? Un Enderman qui meurt. Ah, l'autre c'était un Enderman, je sais pas quoi. Oh! Bah attends, hey, mec, tu me laisses ça! Comme ça, Spooky Skeleton! Attendez, il y a peut-être un lien. Est-ce qu'on peut déjà tout enlever? J'ai envie même... Oui! Oui! 5, ok, 4, 5, donc je peux tout enlever, je garde la tunique, est-ce que je garde, ouais vas-y, je garde la tunique sur moi, ça fait stylé. Il y a un pisson qui a été activé. Oh, c'est une plaque. Il y a une plaque de pression. Attends, mais ok. Oh, mais c'est pile les 9 blocs là. Ça agit comme des plaques de pression dès qu'on arrive dessus. Ça fait le bruit demandé. Ok. Il y a pas de plaque de pression, mais en fait c'est juste dès qu'on est un peu au-dessus, ça s'active. On voit clairement que ça s'active avant que j'ai le temps de tomber. Donc je sais pas si au montage je pourrais le montrer, le schématiser. Mais ouais, ça s'active juste avant que je tombe. Ok. Bon. En tout cas, on a visité la chambre 16. On va prendre la 10. On l'a déjà fait. Ouais, la 10, là, c'est dès qu'on est là-dessus. Non? Même pas partout. Ah non, ok, y a pas tous les tapis. Ok, y a juste les 4 là. Et là, du coup, on a notre coffre. On a tout récupéré. Je regarde juste si j'ai bien visité tout l'étage. Le 15. Je l'ai pas visité, le 15. Je le sens mal. C'est... Attendez. Je ne peux plus rien voir. Est-ce que c'est à cause de mon équipement? Non. Et il n'y a plus de coffre. Si, il y a le coffre toujours. Ok, vas-y, on prend. Et on va sortir. De toute façon, on n'aura peut-être plus la fumée après. Donc, bon, longe un mur à la limite. Ah, c'est dès qu'on arrive là. Dès qu'on arrive là, on a des particules, ok. Donc, bon, c'est bon, on a réussi à récupérer. On a tout le contenu. On va juste l'organiser dès qu'on aura tout pris. Donc, on a visité tout.
toutes les chambres. Voilà, on les a toutes visitées, disques et tout. Donc, il manque plus qu'à aller en bas. Mais avant d'aller en bas, eh bien, on va se dire qu'on va faire une petite pause sur cette map. Et je vais la reprendre dans une autre vidéo, mais seulement si cette vidéo atteint 5 likes. Je vais faire la suite dans une autre vidéo si cette vidéo atteint 5 likes et que du coup elle vous plaît par la même occasion, ça veut dire. Donc, si vous avez aimé cette map et cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like pour atteindre les 5 likes, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss!